Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter The Dark Machine Tarot. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux éditions sous les yeux, deux boîtes hein, du même jeu. Donc, on a ici la troisième édition et la quatrième édition. Elles sont toutes les deux disponibles auprès des fabricants. Donc, c'est Tarot TK Studio. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de ma vidéo. Comme ça, si vous voulez vous procurer l'une des deux éditions, vous pourrez facilement. Il s'agit ici des éditions standards, donc il existe également des éditions avec des cartes plus grandes. Là, le but, c'est vraiment de vous présenter le jeu tout d'abord, parce que je ne l'ai encore jamais fait, alors que pourtant je l'ai depuis longtemps. Mais surtout de pouvoir vous montrer aussi la différence entre ces deux éditions. Attention de ne pas l'acheter n'importe où, parce qu'il existe des contrefaçons de ce jeu, donc des copies qui sont illégales et qui sont vendues souvent. Par voilà des enfin qui sont effectivement vendus par des comment dire des fabricants chinois en fait qui ont récupéré les illustrations et qui donc du coup font un marché illégal de jeux. Donc faites attention si vous le trouvez à une valeur un peu trop basse, on va dire, et surtout faites attention à la boîte puisque la boîte n'est pas la même hein, quand il s'agit d'une fausse édition et les cartes ne sont pas du tout de bonne qualité. Donc ici, on est vraiment sur, bien sûr, les éditions officielles. Alors déjà, les boîtes, voilà. Donc elles n'ont pas vraiment de différence hein, l'une par rapport à l'autre, excepté, bien sûr, l'arrière, puisque comme vous pouvez le voir, ici, on a le dos des cartes. Et comme les dos entre la troisième et la quatrième édition sont différents, pardon, forcément, ici aussi, les dos sont différents. Et on a ici écrit que c'est la troisième édition, ici la quatrième. Donc comme ça on ne peut pas se tromper. Sinon, à part ça, le reste de la boîte est vraiment identique, hein. Il n'y a pas de différence. C'est une boîte très douce au toucher, un peu effet peau de pêche. Et on a les petits symboles et le titre, le nom du jeu qui sont en métallisé, en or en fait. Voilà, ça brille. Ensuite, à l'intérieur, alors je vais faire un peu de place. À l'intérieur, on ouvre donc la boîte comme ceci. Ici, c'est la même chose. On va ouvrir de la même façon les deux boîtes. Et on a la même chose ici qui est mentionnée. Les cartes à l'intérieur, voilà, on a encore ici le titre du jeu avec Tarot TK Studio écrit, donc au fond de la boîte. Pareil ici. Alors, ici, n'oubliez pas, troisième édition et ici, quatrième édition. Alors, déjà, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, mais quand j'ai manipulé les cartes, mais voilà, là, les tranches de la quatrième édition sont dorées, alors que les tranches de la troisième édition sont noires. Bon, je trouve que pour le coup, le noir se prête plus au thème du jeu. Parce que voilà, c'est un jeu qui rappelle un petit peu l'univers de Tim Burton, mais également, vous savez, l'attraction à Disneyland Paris, la maison hantée. Donc ça fait très Disney, effectivement, ce jeu, et il est vraiment chouette, hein, vous allez voir. Autre différence majeure, le dos, bien sûr. Donc, moi, j'ai un petit faible pour la troisième édition, je trouve pareil, plus adapté au thème du jeu. Sinon, la quatrième édition est brillante, donc les cartes sont vraiment glossy, alors que celles-ci, elles sont mates, donc il n'y a aucun reflet. Par contre, comme elles sont mates et qu'elles ont un effet peau de pêche, je ne sais pas comment appeler ça, mais elles sont très soyeuses, elles glissent vraiment très très mal. On n'arrive pas à les défaire les unes des autres, donc impossible à étaler si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, effectivement, ce que je peux comprendre, de ce genre de cartes en fait qui glissent mal. Alors que celles-ci qui sont hyper glossy et brillantes, bah, elles glissent vraiment très très bien. Donc c'est vrai que la quatrième édition est propice aux manipulations, on va dire. On peut donc les manipuler facilement. Alors que la troisième édition, on a beaucoup de mal à les manipuler. Bon, moi, c'est un jeu que j'utilise pas de toute façon. C'est plus pour la collection. Enfin, c'est uniquement pour la collection d'ailleurs. Du coup, ma troisième édition me convient parfaitement. Puisque voilà, je préfère les cartes mat et elles sont très agréables au toucher. Puis comme je les manipule pas, je risque pas d'avoir de soucis à les faire glisser. Mais voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est pas forcément commode.
Il y a une différence aussi d'épaisseur, puisque là je passe complètement par-dessus si je colle les deux tas. Donc vous voyez, il y a plusieurs cartes qui passent hein, sans problème. Donc les cartes de la troisième édition, je pense, sont plus épaisses. Pour le coup, je ne sais pas si on va voir là. C'est pas forcément évident de voir à la vidéo. Mais voilà. On a un paquet plus épais à gauche. Et je vais vous montrer les cartes. Donc on va pouvoir comparer les deux éditions. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez pouvoir le découvrir en même temps. Sachant, comme je vous disais, que les deux éditions sont disponibles. Donc vous pouvez toujours les commander l'une comme l'autre chez Tarotteca Studio. Alors, je vais les rapprocher un peu plus. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Ouais, pour le coup, à part les différences que je viens de vous citer, il n'y en a pas d'autres. Hein. Les cartes ont la même taille, il n'y a pas de différence de taille. Vraiment, elles ont même pas de différence non plus au niveau des couleurs. Enfin, moi, je vois rien en tout cas. Il me semble qu'il n'y a rien de perceptible. C'est vraiment la texture et le dos, bien sûr. Et puis les tranches. Dorées pour la quatrième édition ou noires pour la troisième. On a des petites bordures noires pour les deux éditions. Voilà, et donc là, on passe au mineur. Étant donné que les cartes sont identiques, je ne vais pas m'embêter à vous faire un comparatif sur toutes les cartes, hein, ça ne sert absolument à rien. Donc je vais vous montrer uniquement les cartes voilà, de la troisième édition. Ce sera plus simple pour moi, et ce sera peut-être même plus simple pour vous également, puisque vous avez juste un jeu à regarder. Ça me fait penser aussi au professeur Layton, quelquefois. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si ça existe toujours. Moi, c'était un jeu vidéo et qui était après devenu un manga également. Peut-être même un dessin animé, je ne sais plus. Non, en tout cas, voilà. Alors, il n'y a pas de livret pour aucune des deux éditions, pour le coup. C'est vrai que Tarotteca Studio ne fait pas de livret en général. Des fois, il y en a, mais c'est juste un petit dépliant, je crois. C'est rare d'avoir un vrai livret, un vrai livret avec, vous savez, des significations, etc. Enfin, je crois pas, en tout cas, qu'ils le fassent. Mais pour ce jeu, il n'y en a pas. Alors peut-être qu'il y a eu une édition collector avec un livret, franchement je ne suis pas au courant, mais en tout cas pour cette édition standard, il n'y a pas de petit livret, il n'y a rien.
Donc voilà pour The Dark Magician Tarot, 3e et 4e édition, avec une petite préférence pour la 3e édition, je ne vous le cache pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.